Salut, nouvelle vidéo sur GT Sport Gran Turismo sur la PS4 Pro. Alors vous allez voir, c'est une course de Manufacturer Series, donc de série de fabricants. Enfin bref, j'ai pris la BMW, j'ai signé le petit contrat avec la BM, donc BMW M6. Vous allez voir, je me suis régalé. J'ai essayé de faire un petit mix pour vous au niveau du montage. Donc j'ai permuté entre la vue onboard et la vue replay. C'est pas forcément évident parce qu'en plus sur Gran Turismo la vue replay elle est en letterbox, hein, elle est en 16 neuvième ou je sais plus quel format. Donc j'ai bricolé. J'espère que ça va être bien pour vous parce que comme d'habitude j'essaye de faire au mieux pour que la lisibilité et la qualité soient au top pour vous. J'ai capturé en même temps en 4K et pas de la fausse 4K comme certains l'écrivent. Non, là c'est vraiment sur mon écran MSI 4K, donc la top de qualité si vous pouvez la lire chez vous. Ça c'est une chose. La course en elle-même, elle s'est quand même bien passée, je me suis bien amusé. Franchement, je prends mon pied avec Gran Turismo. Tu t'amuses, hein. Enfin, je suis désolé, mais tu mets la manette en route, tu allumes le jeu, tu fais pas trop de setup, enfin tu fais ce qu'il y a à faire, tu lis un peu les consignes de course, et puis c'est parti, quoi. Tu t'amuses si c'est propre, parce que j'ai fait effectivement quelques sessions où c'était un petit peu délicat, mais voilà, tu t'amuses, les courses là elles sont assez longues, je sais plus si c'était 18 tours je crois. Ouais, franchement c'est du pied, pas possible. Oui, on peut s'amuser. Alors, c'est pas la simulation au top, je suis désolé parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de devoir me justifier, mais je m'y amuse et au fin de compte, est-ce que c'est pas le plus important? Donc voilà, la course, vous allez voir, elle est intéressante, elle est un peu longue, forcément les 18 tours, bah, il faut les faire. Alors vous avancez pas, de toute façon, comme d'habitude, je vous laisse pas seul puisque je parle en même temps un petit peu dans la vidéo et je traite un petit peu de quelques sujets différents. Si je bouge un peu, bah, c'est parce que je suis debout, hein, parce que j'alterne entre la position debout et assise à cause de Bibi le dos. Bref, je m'étale pas trop là-dessus, mais c'est également encore une fois pour répondre à certaines questions dans les commentaires. Que vous dire d'autre? Que je parle d'Assetto Corsa Competition, enfin voilà, je parle de plusieurs choses. Donc pour revenir sur Gran Turismo, pour la suite, j'espère vraiment que le prochain va être du même acabit parce que moi je m'y amuse, hein, sur ce GT Sport. Il y a quelques petites choses à revoir, mais dans le fond, je trouve vraiment très très intéressant, super beau, et j'espère qu'il fera partie du Day One, puisque celui-ci, sans hésiter, je l'achèterai. Bref, voilà, que dire de plus? Bah écoutez, profitez bien de cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, l'abonnement si c'est pas fait, le commentaire, le petit pouce bleu, le petit pouce en bas, bah c'est comme celui qui me suit habituellement, il y en a toujours au moins un. C'est mon fidèle admirateur secret, celui qui est dans l'ombre, qui a l'honnêteté de mettre un pouce bas par rapport à ma gueule, ou j'en sais rien, enfin, ou peut-être parce que je fais des meilleures vidéos que lui. Donc j'essaye de donner ce petit cachet de qualité en plus. Bref, allez, j'arrête de blablater, je vous laisse avec la course. Et moi, je vous dis à une prochaine. À plus, salut! Allez, donc on est parti pour la manche 15, comme vous venez de le voir, de la série des constructeurs. Je suis avec la BMW. Très honnêtement, ne faites pas ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai pris cette manche en cours complètement à l'arrache. J'ai fait, allez, 4 tours d'entraînement. Donc c'est un peu compliqué de bien se placer dans ces conditions-là. Donc forcément, je n'ai que ce que je mérite. Vous allez voir, je suis très très loin. Le combo me plaît assez. Le circuit, il est pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Et quelques Français encore une fois. Mais bon, je la sens pas très bien. Il faut vraiment la prochaine, pas la prochaine manche, mais la prochaine saison, que je m'y mette vraiment un peu plus, de façon un peu plus assidue. Parce que là, clairement, je suis pas dedans. Et c'est chiant. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux pour limiter la casse, mais là pour le coup, je suis désolé, ça va être complexe. Donc, ma petite BMW qui va arriver, il y a beaucoup de skins perso. C'est là où tu vois que
Les mecs roulent déjà depuis un moment. Je crois que je me prends 3 à 4 secondes par tour. Donc autant vous dire que ça fait mal là. Et je crois que moi j'arrive là avec 14e. Voilà, j'ai même pas fait de skin, rien du tout. 14e temps. Bah bah bah. Alors derrière, bah, ils sont soit moins bons, soit ils n'ont carrément pas fait le tour. Clairement. Ah, il y a également une BMW, tiens. Je l'avais pas vu celle-là. Donc on est en fin de journée. On est parti pour 18 tours. Encore une fois, je ne sais ni s'il faut ravitailler, que ce soit pour les pneus ou pour le carburant. Donc bah, let's go, on va dire, on va voir. Je sais pas si départ lancé, départ arrêté. Ah ouais, je me suis dit, tiens, j'ai encore un peu de temps devant moi, je vais me faire une petite course. Et là, je découvre. Bon, moi je fais pas de faux départ, c'est un départ lancé. Ce qui est déjà pas mal en soi. Ça va me permettre d'éviter une pénalité. Allez. Je me répète, parce qu'à ma force, je sais même plus ce que j'ai dit sur mes précédentes vidéos, mais qu'est-ce qu'il est beau ce GT Sport. Bon, attends, je me contrôle un petit peu limite. Allez, là l'enchaînement il est assez délicat. Oh oui, bah oui. Alors, le mec il coupe. Ça me bloque. Les, bien sûr, les gars. Ça me bloque, ça va. Oh putain, il me prend une pénalité. Magnifique. Ça, c'est quand même. Une seconde en plus. Ouais, mais collision, il arrive devant moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Allez, c'est pas grave, il y a eu 18 tours, autant vous dire. Voilà, la pénalité qui va bien. On est quand même dixième, donc pour l'instant, on n'est pas ridicule. Peut-être que je remonte un petit peu le TC parce que là je suis un peu à la rue. Celui-là, si tu le premier, il est à fond. Ou derrière. Ça va dépendre de mon freinage. C'est bon. Allez, il y a encore des pénalités devant. C'est bon, je l'ai vraiment bien pris. On est pas mal là. Je sais pas pourquoi normalement c'est un Français devant, je vois pas son drapeau. Merci monsieur. Si te gêne, tu le dis derrière. Surtout. Ouais, j'ai soulagé parce que là. Là, c'était compliqué. Allez, on va se mettre là. Hop. Protégé. Protéger ce que j'ai pu, mais il était plus rapide. Pas grave. Voilà, cet enchaînement-là, il est assez difficile, mais une fois que tu l'as pris,
Pas trop mal. Ouais, c'est bon, ça passe. Au final, je pensais être à la rue, mais ça va encore. Troisième tour. Carburant, ça passe. Il va peut-être y avoir juste un refuel à faire. Ah bah celui-là, je me suis pas trop planté. C'est bon à fond. Allez. Je sais jamais s'il faut monter dans les tours ou pas, ou si ça dépend des caisses. Là, j'ai encore un petit peu de mal. T'es limité entre les deux. Clairement, lui, il va pas me faire de cadeau. Je sais pas si je pouvais le prendre plein pot. On est pas trop mal derrière, qu'est-ce que ça donne? Il y a encore du monde. Top 5, ce serait vraiment l'idéal. Du mal, c'est cet enchaînement là où je crois que je perds un peu de temps. Ah, il a fait la même erreur que moi. Mais j'ai rattrapé. Allez, Seb, on est pas mal. Je sais qu'on peut également jouer sur la cartographie, mais je pense pas que ça va changer grand chose pour la conso. C'est là où je suis très mauvais. C'est vraiment pas faible, je pense, du circuit. Allez, relance. Je suis concentré, mais j'en profite avant d'oublier pendant que j'y pense. On a quelques infos sur un site où quand ça compétitionne. Donc pour ceux qui sont intéressés, abonnez-vous puisque je l'ai précommandé et je vous ferai un comparatif avec la version PC. On sait déjà que sur le papier, ça risque d'avoir
quelques petits désagréments. Mais voilà, j'ai déjà commencé à faire du record sur le PC. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche. Je vais tester ça dès la sortie. Derrière, il arrive comme une balle. Regardez, beaucoup plus vite que moi. Ah, je suis désolé. Là, je suis désolé. Pas très cool de ma part. On se met sur le côté, on laisse passer s'il faut. Bah, du coup, il y en a trois qui vont passer. Ils s'aiment bien ces deux-là. C'est bien, ça fait un peu de bagarre. Ouh, il part en cacahuète derrière. Alors, on en est où? Alors, le carburant, ça devrait être bon. Allez. Moi j'ai lâché un peu parce que là c'était direction le mur. Putain, devant ils sont dans un autre monde. Tant de dire le top 5. Tu peux te le mettre où je pense. Ouais, là ça va commencer à devenir juste après avec les pneus. Je suis pas sorti mal. Ouais, ça va être bon pour le carburant. Je vois pas du tout la sortie, donc je peux même pas du tout. Je pouvais pas du tout anticiper, du coup je perds du temps, derrière ça revient. Enfin, je suis un petit peu trop gentil. Voilà, putain, fait chier. Il rentre, pourquoi il rentre? Pourquoi il rentre? Il va manquer quelque chose? Ce que je vois, il va rien manquer en carburant. Pas trop fait d'erreur pour l'instant, je gère pas trop mal ma course, mais ah, c'est histoire de. De pit là. Alors, on a passé la mi-course et je suis à la moitié, donc je vois pas pourquoi je devrais piter.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont en ravitaillement? Pas trop l'impression. On va bien voir. Les pneus, ils commencent à dire attention les gars, ça devient compliqué. Pour l'instant, ça passe. Ça va être un peu de marge. Ah lui aussi il pite, putain, mais... C'est sérieux quoi. J'ai vu qu'il fallait des pneus hard, mais je suis pas convaincu que c'était écrit. Ou alors il faut passer justement pour en mettre des hard. Les durs en fait, c'est peut-être ça que j'ai vu. Ah, ça doit être ça. J'ai vu pneu, j'ai vu D. Donc c'est peut-être ça. Il faut remettre des hardes. Pas de raison, si tout le monde rentre, je pense que... Il y a une raison. Je remets pas de fuel. Et je remets juste les hardes. On va essayer de partir là-dessus. Ça devait être ça. Mais reviens, au pire. Je vais descendre à la dernière place. Ça, je suis 7ème, donc derrière ça, c'est loin. Rien perdu, rien gagné. Il ne reste plus que 6 tours pour cravacher. Avec des pneus que je vais pouvoir exploiter au maximum. Doucement. Encore chaud ou je sais pas quoi. J'aimerais bien attraper celui qui est devant. Je l'ai mal pris celui-là. Ouais, oh, putain, il y a du monde derrière.
Ah ben non, mais il y en a un qui s'arrête en plus au stand, donc je dois être cinquième, non? Je pense. Le mec, il est obstiné par sa place. Attends, c'est la course, hein, donc si t'en as rien à secouer de la place. Petit peu dommage. Non, toujours sixième. Deuxième run est moins bon, je sais pas pourquoi. Bon, je pense pas qu'il y ait une question de température de piste. Pas sur GT Sport, donc je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle est moins performante en... avec moins de carburant. Je sais pas du tout. Elle a raison. Cravacher. Ou c'était chaud. C'était chaud. Bon, les autres ont dû piter aussi, je pense, donc le cinquième est vraiment loin. Il est en bagarre avec quelqu'un, donc rien n'est fini tant qu'on n'a pas passé la grille. La ligne d'arrivée en tout cas. Oh putain, là je les chine dedans. N'importe quoi. Voilà, c'est mon plus mauvais passage, je pense, depuis le début de la course. Un peu plus tard, pas trop mauvais je pense. Allez, c'est un peu large. Ah, ils sont tout au bout de la ligne droite. Oh, putain, puis derrière, ils reviennent comme une balle. Les... Donc je me méfie. C'était 4 tours. Oh, il est beaucoup plus rapide que moi, allez. Faut que j'enchaîne les tours un peu comme ça. Ça permettra déjà de le garder à distance. Et là, c'est pas trop mauvais. Il est à 3 secondes 4. On va voir. On va essayer de s'occuper plutôt de ceux de derrière que de devant. Là il me prend une demi-seconde quasiment, donc là pareil j'aurais pu aller à fond, j'y suis pas allé. S'il me prend une demi-seconde autour ça devrait aller, mais si c'est plus ça va vite être compliqué.
Devant, il a dû se planter, je pense, si c'est un qui est dans le même tour que moi. Allez, il est déjà là. Allez, celui-là. On va bien le passer. C'est pas ce que j'appelle bien passer, mais bon. Elle a fait une petite erreur, c'est bon pour moi. J'allais dire tant pis à fond, mais non, je l'ai vu que c'était pas possible. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il ait mon aspi. Donc, ouais, pas mal celui-là. Allez. Il revient moins de 3 secondes. Là. Bien passé non plus. Il est pas loin le cinquième. Putain, il est là-bas juste devant. Là. Reste deux tours. Bon, j'ai repris un petit peu, je pense. J'ai grappillé devant, mais je me fais grappiller derrière. Dernier tour, je l'aurai pas devant, j'aurai pas mon top 5. Je pense que j'ai fait une pas trop mauvaise course. C'est pas fini. Continue à te prendre un boulin comme ça et tu vas voir. Tu vas décoller. Mais je vois tellement devant le mec qui se rapproche que j'ai envie d'y aller. Tout donné, mais. Après, il peut y avoir des pénalités hein, s'il n'a pas fait un arrêt ou autre chose, mais bon, voilà. Bon. Ah, cinquième. Pourquoi il met cinquième? Il y en a un qui a pas dû faire son arrêt. Bah, P5, les gars. P5. Et premier français. Franchement, par rapport au qualif de merde, comme quoi je dis toujours, qualif et course, ça n'a rien à voir. Mais je suis content. Alors, ça y est, il y a eu une petite merde au début. Mais bon, j'ai ramené ma petite M6 en cinquième position.
très intéressant. En plus, j'ai pas été tout seul. Il y a vraiment eu un petit peu de bagarre, un petit peu ce qu'il fallait. Donc, c'était bien pour moi, c'était bien pour vous. On va attendre de voir si la décision des commissaires était bonne. S'il n'y a pas eu de changement. On va voir ça. Non, non, cinquième. Sur la manche 15. Parfait. Bon, on reprend des points. 57 points. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut puisque j'ai pas démarré. J'ai quasiment fait que 3, 2 ou 3 manches. Donc, bon, bah écoutez, en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu raison de record pour cette fois-ci. Moi, je vous dis à une prochaine. Je vous laisse là-dessus. Et à la. Ah, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. Bref, salut!